Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de la survie du week-end. Donc on vient de se lever. Voilà, on est bon, on est en forme. On va aller... Alors il fait un peu nuit encore, on est très tôt dans la matinée. Donc on va prendre la batterie. Ouais, on a... Ouh là 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 là, c'est très très lourd. Ouais, on va prendre la batterie et on va aller l'installer à la Vallée Charmante. On va faire ça. Par contre, on m'a prévenu... Apparemment, et je l'avais pas vu. On m'a prévenu que j'ai pas remplacé tous les câbles de l'antenne. Donc, ouais, c'est là. On m'a dit qu'il me manquait deux câbles. Si je dis pas de bêtises. On m'a dit qu'il manquait deux câbles. Ouais, ça devrait aller. J'espère que c'est deux câbles. On m'a dit ça. Honnêtement, je vois pas vraiment où. Mais bon, on m'a prévenu que j'avais oublié la dernière fois. Okay. J'avais fini de déguiser là, donc ça s'est détruit. On a notre sac de couchage. On a notre arc. 70%, on a la batterie, on a les deux câbles. Donc comme on m'a dit que j'ai pas remplacé deux câbles. On est bon, on est très lourd. On est très très lourd. J'espère qu'il va faire un plus ou moins un beau temps pour pas qu'on perde trop de vie sur le chemin. On est bon. Ah, il nous faut une lampe. Il nous faut une lampe parce qu'on va passer une grotte et... Alors, attendez. Je peux voir un peu la lampe. 0,38. C'est pas énorme, 0,38. Je vais voir si je peux pas prendre... Ouais, d'accord. Ça, on va le vider. Ravitailler. 0,42. Ouais, ça suffit, honnêtement. On n'a pas besoin de vraiment de la charger, la lampe, je dirais. Ouais, je pense pas. Ah, quoique, ça fait con de partir avec une lampe qui est pas à fond. Non, c'est débile, non. Mieux vaut la charger. Hein. Ah, très bien. Ok, parfait. On est à 53 kilos. Je sais même pas si on va pouvoir sprinter au bout d'un moment. Il faut qu'on pose ça, ce morceau de viande, là, et on en prend un kilo qui soit plein. On a tout. On peut sprinter encore. Ouais, on a tout. Je crois qu'on est bon. Alors, excusez-moi, je vais juste arrêter de parler pendant une seconde. Juste le temps de vérifier tout ce qu'on a. Ok. On est bon. Ouais, on est bon. Ça c'est bon. Ok, cool. Donc oui, on va remplacer la batterie. Ça, on va poser. Hop. Il fait un peu froid, mais bon, ça devrait aller. On a plein de viande aussi. Alors, j'ai fait un peu de farm. Entre-temps. J'ai même fait un épisode. Je crois que je vais sortir une nouvelle sorte de petite série, en fait. Ça serait des épisodes entre les épisodes. Ça serait des épisodes séparés de la survie du week-end, pour ceux qui veulent regarder, genre, ce que je fais maintenant. Donc du coup, c'est la survie du week-end, c'est la saison principale où on explore et on fait tout le temps des choses en fait. On reste jamais statique, il y a toujours quelque chose à faire dans les épisodes. Et après, une personne m'a donné l'idée en fait de faire d'autres épisodes où je faisais de la farm. Genre je changeais pas vraiment de zone, j'allais juste chasser et discuter un peu des nouveautés et tout ça. J'ai déjà sorti un épisode, donc je vais sûrement appeler ça farm et discussion. Et après mettre de quoi on parle, plus ou moins. Ça peut être sympa, je sais pas, voilà, ça fait un peu plus de The Long Dark sur la chaîne. Moi ça me dérange pas, j'aime bien. C'est toujours cool. Est-ce que... On va pas très vite si on sprint, je sais pas si ça va vraiment nous aider de sprinter honnêtement. On va essayer de pas trop perdre de vie par contre. Oui, il y a toujours ce cerf là, il faudrait que je finisse de le dépecer, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a ça. Et en parlant de nouveautés, il y a la mise à jour qui a été annoncée, le DLC partie 3, où ils vont rajouter de la cuisine, donc avec des recettes à faire, et ils vont rajouter un nouveau système pour pêcher aussi. Donc ouais, je suis assez content de ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait du coup l'épisode de farm et discussion là pour en parler, donc ouais, allez regarder ça si vous êtes intéressé. Mais voilà, comme ça on va dire entre parenthèses, ça pollue pas la farm, genre le stagnant, le redondant, la farm ne pollue pas notre histoire principale. Voilà, je trouvais que ça c'est cool. Ah, là il y a un arbre de gland, ça. Oh,
On va peut-être déposer la batterie, je vais aller voir s'il y a des glands. Donc ouais, je suis assez content. J'aurais dû, honnêtement, j'aurais dû potentiellement le faire en avance. Hein. Enfin, déjà le commencer il y a longtemps. Ça aurait pu être cool. Je vais voir un peu par où on passe là. J'aurais pu faire ça plus tôt en fait, ce système d'épisodes de farm là. Ça aurait pu être sympa. Alors après, ils vont pas être réguliers du tout. Hein. C'est juste à des moments où genre je dois m'équiper ou tout ça. Et c'est surtout c'est que maintenant, comme j'ai dit, il y a la mise à jour de la cuisine qui va arriver. Donc j'ai farmé de la nourriture exprès. Ah ça y est, on a froid. Oh là là. J'ai farmé de la nourriture exprès, j'ai de la viande d'à peu près tout en fait. J'ai tout sauf des poissons je crois. J'ai de la viande de lapin, de cerf, d'ours, d'élan même, de loup et tout ça cru. Donc ça c'est sympa. Donc si jamais ils utilisent de la viande crue dans les recettes, ça sera prêt. Si jamais c'est cuit, bah, on les fera cuire. Donc ouais, ça je suis content pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette session de farm et la faire en vidéo. Donc ouais, très content pour ça. Et je vais sûrement le faire un peu plus souvent. Et comme j'ai dit, vu qu'il y a les nouveautés qui arrivent, je pense le faire un peu plus souvent parce que je voudrais farmer pour faire toutes les recettes qui existent. Mais je sais qu'on va être limité avec les recettes parce que de ce que j'ai vu des screenshots, il y a sûrement des recettes qui nécessitent en fait des conserves. Genre par exemple, il y a une recette qui dit peach pie. Donc peach, c'est les pêches. Et on sait très bien que en fait, le seul moyen d'avoir des pêches dans le jeu, c'est les conserves de pêche coupées là, en deux. Donc du coup, voilà. Je sais pas si j'en ai ça, honnêtement. Je devrais potentiellement en avoir au garage de Quanset, là, de l'autoroute côtière. Mais je suis pas vraiment certain, en fait, d'en avoir. Donc, je pense qu'on les a mangés. Donc ouais, c'est un peu bête. Donc on verra. Après, j'ai peur que ça soit basé sur le RNG, toutes les recettes. C'est-à-dire, il faut trouver tout simplement en fait des nouveaux objets pour compléter les recettes. Parce qu'apparemment, il y aurait des nouveaux objets, genre potentiellement du lait, j'en sais rien, ou de la farine, des trucs comme ça. Et si c'est des objets à trouver, ça va être comme les batteries, ça va être la galère pour nous. Donc ça m'embête un peu. J'ai un peu peur de ça. En fait. J'ai cru entendre quelqu'un. Ah, il y a un truc là-bas, ok. Mais ouais, j'ai un peu peur de ça. Mais bon, on verra. On verra. J'espère que ça sera pas basé que sur du RNG. J'espère vraiment pas. Mais ouais. En tout cas, pour cet épisode, je voulais vraiment finir la tour radio, là. Donc on finisse la tour radio avec la batterie, puis après on est tranquille, et puis pour moi c'est plus facile pour les épisodes parce que je vais pouvoir ou faire de la vallée charmante avec l'aurore boréale si jamais on en a une, ou alors Mystery Lake, enfin le lac mystère ici, parce que la couverture de l'antenne qu'on va fixer fait vallée charmante et le lac mystère, donc ça c'est une très très bonne chose pour nous. Oh, il y a un loup. C'est une très 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 bonne chose pour nous. Ouh, t'étais un peu proche toi. Hein. Ouais, t'étais un peu trop proche toi. Donc ouais. C'est pour ça que je voudrais un peu en finir entre parenthèses. Avec cette tour. Et après on pourra se relaxer un peu et faire un peu ce qu'on veut. Genre ou farmer ou alors se préparer, chercher des recettes et tout ça. Il y a aussi un truc avec les recettes, c'est que
Apparemment, on va avoir des recettes spéciales uniques qu'on va devoir trouver dans le monde. Et je suis en train de me demander aussi, du coup, on va potentiellement devoir revenir encore une fois sur des zones qu'on connaît. Faire ça. Sur qu'on connaît, du coup, il va falloir encore revenir sur plein de zones. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, c'est pour ça que je voudrais finir ça. On va dormir 3 heures. Comme ça, on est libre. Vous voyez, parce que là, on est on est en train de faire un... On est dans une mission, là. Moi, je le vois comme ça. On est dans une mission. Et c'est réallumer cette antenne. Donc, je veux le finir. Je veux pas qu'on soit bloqué à faire ça, là. Et qu'on s'arrête en plein milieu. Bon, il fait jour, mais on a du vent. Ça, c'est chiant. Mais ouais, ça s'annonce bien. Je suis content. Et encore heureux qu'une personne m'a dit hein, par rapport au câble. Apparemment, la personne a compté les câbles que j'ai remplacés la dernière fois. J'ai remplacé en fait les câbles sur les côtés, on m'a dit. Et pas devant, je sais pas exactement. Faudra que je regarde. Après, c'est seulement la troisième tour que je change, donc c'est possible hein, que j'ai loupé des choses, évidemment. Ah, d'accord, j'ai pas allumé assez. Ok, très bien. Donc c'est fort possible. Mieux vaut prévenir que guérir, hein. J'ai pas envie de me taper le chemin pour arriver devant et genre il manque de câbles ou une connerie, quoi. J'espère qu'ils vont corriger pas mal de petits bugs aussi pour les mises à jour. Normalement, ils devraient le faire. Donc ouais, j'espère que ça va être bien. Les glands, là, il faudrait corriger le bug des glands. Ça me rend fou, ça. Parce que moi, je suis bloqué avec un stack de 10, là. Il faudrait que je les mange. Parce que moi, je voudrais utiliser ceux qui sont à 0, là, pour... Enfin, qui sont à une dizaine de calories. Pour faire du café, je sais pas trop quoi. Et dans un sens, je suis en train de me demander, peut-être qu'on devrait les garder. Vous savez pourquoi? Parce que on pourrait du coup les mettre dans le thermos qui devrait sortir un jour ou l'autre, genre de l'année prochaine sûrement. Oh mon dieu, quand c'est noir. Ouais, peut-être qu'on devrait les garder de côté. Ah bah ça va, il fait pas trop froid, ça va. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. Parce que maintenant, en fait, en gros, avec leur mise à jour et la façon dont ils travaillent, Interland, genre, tout devient utile, mais ça pose problème pour les joueurs, en fait. Il faudrait pas jouer au jeu, en fait, en ce moment. Il faudrait tout simplement attendre jusqu'à ce que tout sorte. Genre, les batteries, faut pas les détruire, parce que ça devient utile. Tout ce qui est conserve, il faudrait pas les manger parce que maintenant ça va devenir utile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, nous, on est vraiment bloqué dans beaucoup de choses. Donc je suis en train de me demander si on devrait pas tout simplement pas manger en fait les choses. Genre on mange que de la nourriture, que de la viande que des choses en fait qui sont renouvelables. Genre boire de l'eau et manger de la viande, basta. Tout le reste on garde jusqu'à ce qu'ils sortent une mise à jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu embêtant, hein, mais bon. C'est un peu le problème qu'on a avec Interland en ce moment. C'est que tout peut avoir une possibilité. Et en intrus, on est très très limité. Bon, bah ça se passe bien. Voilà, il fait pas froid, ça va. Ah, il paraît qu'ils sortent aussi un deuxième arc. Alors, je vais être honnête. Je sais que j'aime bien critiquer Interland, mais c'est de la critique constructive. Hein. C'est pas autre chose. Ah, on voit des lapins au fond. Mais on devrait avoir un deuxième arc custom. Enfin, pas custom. Une deuxième variante. Ils appellent ça des variantes. Alors,
De ce qu'on m'a dit, la première variante, on peut la trouver, donc bien sûr pas en intrus, hein, ça n'existe pas en intrus. Donc les autres difficultés, on peut l'avoir, l'arc. Mais on peut pas le réparer, du coup. On peut pas réparer les arcs, hein, c'est... Voilà. Donc en théorie, bah, il sert pas à grand chose, en fait. Une fois qu'il est cassé, point barre, quoi. Et le deuxième arc, j'espère que c'est un arc crafté. Comme ça, crafté, ça voudrait dire que tout le monde peut l'avoir. Genre même moi, par exemple, en intrus. Mais si jamais... C'est vraiment pas un arc crafté et qu'il faut le trouver et qu'il n'existe pas en intrus. Je vais être honnête, c'est un peu foutage de gueule. C'est un peu foutage de gueule. Et j'ai un peu peur de ça en fait avec Interland. Ils aiment vraiment pas leur difficulté intrus. Hein. Je vais être honnête. Hein. Plus ça avance et plus je me dis qu'ils aiment pas leur difficulté. Pourtant ils l'ont sorti. Hein. C'est leur faute. Hein. Enfin, on verra. On verra quand ça sortira. Donc ouais, je suis assez content là. Assez cool là. On a un bon temps. Il fait bon, il fait pas trop froid. On est nickel. Il paraît qu'il y aurait des nouveaux crafts aussi. Alors je sais pas trop si c'est vrai. On verra. Des nouveaux crafts, ce serait vraiment bien. Et aussi, on aura des sortes de pigeons, là. Je sais plus comment ils s'appellent. Stamgram? Non, je sais plus. Ça doit être des sortes de... Une race de pigeons, je pense. Des neiges, ou des colombes, des trucs. Ça aussi, il faudra les farmer, on va dire. Et ça va être notre premier animal volant. Ça, c'est sympa, ça. Ça va être notre premier animal volant qu'on peut attaquer. Parce que les corbeaux, on peut pas les attraper. Hein. On peut pas les manger, on peut pas leur tirer dessus, rien. Ça a pas de hitbox, ça existe pas en fait. C'est juste pour les plumes. Mais ceux-là, oui. Ceux-là, apparemment, on pourra. Donc ça va être intéressant de chasser ça. Ça va être très intéressant. Donc c'est pour ça que je voudrais finir avec notre petite mission de la tour. Comme ça, on est prêt pour aller ou farmer ou faire des trucs à côté. Ça m'intéresse. Ouais, on peut les manger, on peut apparemment les utiliser dans des plats. Je sais pas s'ils vont dropper, enfin donner des plumes. Ça serait vraiment très intéressant s'ils donnent des nouvelles plumes. Genre, nouvelles plumes voudrait dire nouveau craft. Aussi, faites une réserve de... Faites une réserve de plumes, parce que je crois bien que les plumes vont être utiles à autre chose maintenant. Les nouveaux hameçons, parce qu'ils vont sortir des nouveaux hameçons. Donc essayez de faire un petit tas de plumes. Les plumes de corbeau, hein, je parle. Donc ouais, ne balancez pas tout dans les flèches, gardez-en de côté. Parce que je sens qu'on va en avoir l'utilité. Donc ça c'est bien. Ouais, faites des réserves de nourriture, de viande... Ça aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est ce que j'ai dans l'optique. Des plumes, j'en ai, donc ça va. Mais ouais, ça va être cool. Ça va être sympa. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être rester... À la Vallée Charmante. Enfin, pour cet épisode, de toute façon, je crois qu'on va rester à la Vallée Charmante. Je vais être franc, je pense qu'on va rester. Et après, du coup, je vais décider ce qu'on fait. Ou je fais une pause, comme je l'ai déjà fait à un moment. Ou je fais une pause et j'attends que la mise à jour sorte. Comme ça, je peux directement enchaîner sur du nouveau contenu. Ou alors, je rentre au lac Mystère, mais bon... Vu qu'on est à la Vallée Charmante, autant y rester et essayer de trouver la cache, en fait, pendant une aurore boréale. Je pense que c'est plus logique de faire ça, en fait. Je pense que c'est un peu plus logique. Tant qu'on est ici, restons ici, vous voyez ce que je veux dire? Ok, ok. Et puis, si jamais on a des...
des recettes à trouver, je suis sûr qu'il va en avoir à la Vallée Charmante. Parce qu'il y a une image qui montre, je crois, je dis pas de bêtises, je pense qu'il nous montre une des fermes à la Vallée Charmante. Donc ouais. Très bien. Donc ouais, quasiment certain que c'est à la Vallée Charmante le screenshot. Donc ouais, je pense qu'on serait bien de rester à la Vallée Charmante exprès pour ça. C'est vrai qu'il y a la marche auto, hein. Là, je bouge que la souris, hein. J'appuie plus. Hein. Faut l'activer dans l'accessibilité, si vous n'êtes pas au courant. Par contre, on a un loup là, on va faire attention. Là-bas. Voilà. On est à 160 jours, je crois. Il y a une vidéo qui m'avait fait marrer quand je regardais YouTube, vite fait. Parce que quand je poste mes vidéos, du coup, des fois, j'ai YouTube qui me recommande du The Long Dark. Il y a un mec qui avait mis, genre, my main base. Genre, c'était en anglais, évidemment. Le mec parlait pas, mais c'est une vidéo anglaise. Donc ma base principale. Et le mec, il a genre des tonnes et des tonnes d'objets. Ou genre, il avait écrit peut-être genre 1000 jours de survie et tout. Et le mec, il avait des milliards de ressources et tout ça. Mais après, dans la vidéo, on voit que genre, il y a des armes à feu, il y a des revolvers, il y a des fusils et tout. Donc du coup, je me dis, non, et après il y a plein de gens aussi dans les commentaires, ceux qui savent, hein, bien sûr, hein, les vétérans de The Long Dark, ils ont dit, non mais attends, t'es même pas en intrus. Dans un sens, je me dis, bah c'est normal en fait que le mec il ait autant d'objets. Parce que quand vous êtes pas en intrus, vous avez des tonnes et des tonnes d'objets, vous avez même pas besoin de jouer 1000 jours dans le jeu. Vous jouez genre 20 jours, et vous avez une maison qui est pleine à ras-bord d'objets en fait. Donc ça m'a fait marrer sur le coup, et bien sûr... La vidéo a plein de vues et tout ça, plein de commentaires et tout. Ça me fait marrer des choses comme ça où c'est pas vraiment... pas legit, mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment honnête en fait. Des choses comme ça. Parce que tout le monde sait que si vous jouez genre 2 heures en une autre difficulté que intrus, genre en voyageur ou des trucs comme ça, bah vous pouvez avoir une maison qui est pleine d'objets en fait. Tellement qu'il y a des objets partout dans le jeu. Ah, ça m'a fait marrer. C'est un peu le même système. J'avais vu une vidéo sur Resident Evil 4. Je parle un peu de tout et de rien là, désolé. Un peu, vu qu'on fait du chemin qu'on connaît, encore une fois, j'ai tendance à parler d'un peu de tout et de rien. Moi, j'ai fait le run en professionnel S+, et tout ça, de Resident Evil 4. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse, bien sûr. Et je l'ai fait legit, genre sans armes illimitées et tout ça. J'ai eu un nombre de vues pas mal, ou tout ça, c'est sympa pour ma chaîne et tout. Et j'ai vu une vidéo française, pareil, qui a genre 5 fois le nombre de vues, et le mec, il utilise tout plein d'objets... plein de trucs, genre munitions illimitées et tout ça. Et en gros, ces commentaires pour jouer. En plus, c'est même pas des commentaires live, c'est des commentaires genre... il a enregistré la vidéo, puis après, il parle après. Donc, c'est même pas en live, vraiment. Il dit, vous prenez, vous tirez sur ce monstre, et puis vous passez. Waouh, ah, ça aide vachement. Bah, c'est sûr que quand t'as... c'est sûr que quand t'as munitions illimitées, c'est pas compliqué, hein. Ça me fait rire, quoi. Mais bon, le mec, il a 7 fois le nombre de vues de ma vidéo, quoi. Alors que moi, je me suis fait chier et tout, quoi. Après, j'ai passé un bon moment, hein, mais bon. Ah, c'est ça, réparer les câbles. Putain, les gens avaient raison, quoi.
Fusible, c'est bon. Ah, du coup, je les avais pas réparés, les câbles? En fait, j'avais fait pièce métallique, fusible, et j'avais pas fait les câbles. Ah, ok. Bien vu, bien vu. Merci. J'avais donc pas fait les câbles. C'est bon, ça marche. Ah, c'est bon, là, ça marche. Alors, 25%. Scric lugubre et bardance dans ce village montagnard. Ok, enquêté. Donc ça, c'est la vallée charmante. Enquêté sur le signal de la vallée charmante. Ah, je crois qu'on m'a expliqué ce que c'était, ça. Vous savez ce que c'est? C'est le truc qu'on a vu dans un épisode. Alors, attendez. Alors, ça serait... donc nous, on est là. Ça serait genre là. Je crois. Apparemment, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut y aller maintenant, même s'il n'y a pas l'aurore boréale ou pas? Vu que j'ai réparé l'antenne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, est-ce qu'on peut... On peut y aller? De toute façon, là, il n'y a rien du tout à faire. Je n'avais pas laissé grand-chose. C'est quoi, ça? Jeune érable. On le prend avec nous, le jeune érable? Ouais, on va le prendre avec nous. Bah du coup, on va descendre. On va descendre. En plus, il fait bon. Comment on va là? Est-ce qu'on avait une corde? Ah, si, si, on a une corde dans une ferme, je crois. Il faudrait l'installer. Il faudrait vraiment pouvoir l'installer. Est-ce que je peux y aller Attends. Est-ce que je peux y aller à l'arrache? Combien de cordes il faut pour descendre? Il y en a une ou deux d'affilée. Je crois que c'est deux dans mes souvenirs. Je vais voir un peu. Ne faites pas ça chez vous. Attends, je vais... Pas beau ce que je viens de faire. On tapote, on tapote. Tapote, tapoter, ça marche très très bien. Et voilà. C'est pas beau ce que je viens de faire. Et tout ça pour Kutchi, pour rien du tout, pour R. J'arrive pas à rouler mes R, c'est bête, hein. Mais tout ça pour R. Tout ça pour... Putain, mais c'est super grand en plus. Je me demande s'il y a des trucs sur les... Pardon, sur les corniches. Ça m'étonnerait. Hein. Mais tout ça pour R, c'est bien. Donc on va aller voir le truc, parce que apparemment on m'a dit que c'était ça.
On m'a dit que c'était ça, donc autant y aller. Et on peut prendre... On peut prendre du bois et tout ça et faire un feu. Là-bas. On a combien de rabais en poids? Non, on a 40. Ouais, on n'est pas énorme. Ouais, enfin sinon, c'est parce que j'ai les lapins. Les lapins. Les lapins qui sont lourds. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un petit tas de bois. De toute façon, on a de l'eau, on a des calories, on a des lapins. On a un sac de couchage. Donc on peut tout simplement aller au point important où on veut aller. Et puis on peut même dormir là-bas, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas très loin normalement. Ça fait un peu con de l'avoir trouvé genre sans la radio, mais comme ça. Ok, j'essaye de récupérer le plus de bois possible, parce que si jamais il fait très froid, comme ça on a un bon feu bien fort. Donc, chaque bois c'est genre 1 degré, je crois, un truc comme ça. Donc on en profite le plus possible. Il y a des loups de ce côté ou de ce côté, je sais pas. Ah putain, un ours, c'est chiant. C'était pas là? Peut-être un peu plus loin. Ouais non, c'est pas très loin du tout en fait. Non, c'est vraiment pas loin. Vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Oh, par contre, l'ours m'embête, en fait. Ça m'embête qu'il soit là. Je vais être franc. Alors, est-ce que c'était... Putain, on commence à avoir du brouillard, ça c'est embêtant. Alors, est-ce que c'était là ou avant? Je crois que c'était avant. Je crois que c'est plutôt à droite. Je crois pas que ça soit là. Je crois que là, c'est la grotte. Ah oui, de l'ours, évidemment. Oui, oui. Oui, oui, l'ours, en fait, vit là. Ok, ça marche. Bon, par contre, on va peut-être pas se... on va peut-être pas camper dans la grotte de l'ours. Hein. Mais ouais, du coup, ça... Ça a du sens, ça a du sens. Donc, l'ours, il vient d'ici. Je prends un peu de calories, juste au cas où. Allez, passe, Roméo. Donc, en théorie, c'était là, à gauche. Ah, par contre, je vois rien, ça m'embête. Mettre non. Est-ce que c'est là? C'était aussi... C'est dans un coin comme ça, très loin? Peut-être. Ouais, c'est possible. C'est possible que ça soit... Ah si, c'est ça! Là, 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 on le voit. Ok. J'imagine qu'il va rien se passer. Mais... Donc ouais. En théorie, de ce qu'on m'a dit, c'est le coup de la radio, c'est ça. La radio va nous mener ici.
Donc on pourrait dormir. Oh, j'espère qu'il va avoir une aurore boréale. S'il n'y a pas d'aurore boréale ce soir, honnêtement, je vais être grave déçu. Qu'est-ce qu'on a comme bois, faut voir. On a 4... on en a 14 à peine. Il nous en faut plus. Je veux pas trop m'éloigner du site parce que si le brouillard reste comme ça pendant toute la nuit, on va rien voir. Couper du bois là. Par contre, je vais devoir m'absenter une seconde. Je vais juste couper, faire une petite pause et je reviens et on continue après. Je sais pas, j'ai envie de camper en fait à côté de ces bois là, comme ça on fait un feu. Et après on les casse, comme ça j'aurai du bois. Mais bon. Je sais pas trop en fait. Ok, je fais une pause et je reviens, à tout de suite. Et on est de retour. Je vais faire une pause. On était donc de quel côté? Oh merde, je me rappelle plus. Ah putain. Oui, ok, c'est les branches que je disais. On pourrait... Combien on a 16 de feu. J'ai peur qu'on manque de bois en fait. Il y a un truc qui bouge autour de moi. Ça doit être l'ours. Là-bas. Ce qu'on pourrait faire, c'est... ouais, il faudrait qu'on fasse du feu et qu'il faudrait qu'on cuise le lapin. On a 19 bâtons. C'est pas beaucoup, 19 en fait. J'en voudrais un peu plus. J'en voudrais plus d'une vingtaine en fait. Donc on va continuer à se balader. De toute façon, on va rester sur la glace. Je devrais pas me perdre. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une aurore boréale. Le cap de la souris qui est bloqué. Oh là là. Donc quoi. Peut-être là, il y a des arbres. Il faut du bois, s'il vous plaît, du bois. J'en profite, il fait pas froid. Hein. Donc tout simplement, j'en profite. Si jamais on attire un loup, parce qu'on a des lapins sur nous, on le tuera et on découpera sa chair pour faire cuire. On va descendre. S'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bois. Ok, il commence à faire nuit. J'entends des corbeaux. Voilà. Dis-moi que c'est une carcasse. Ah non. Par contre, il y a plein de bois. Ah, on l'avait pas fouillé ça apparemment. Cool. Strictement rien.
Ah, on est ici. Putain, mais on est... Ah oui, non, mais c'est petit quand même, en fait. J'avoue que c'est quand même vachement petit. Hein. C'est l'endroit sur la gauche. Là, c'est l'endroit où on s'était reposé. Donc, on peut techniquement se mettre à l'abri du vent, si jamais il y a du vent. On peut théoriquement attendre ici, j'ai envie de dire. Il y a plein de lapins. On en a 3 sur nous. Hein. Attends. Bon, par contre, j'avoue que le brouillard, ça commence un peu à me... Un peu à m'embêter. Je voudrais retrouver les bâtiments qu'on avait vus la dernière fois. Je crois que... Attends, si on vient de là, ça devrait être là. Non, ça, c'est la route. Ou alors c'est peut-être un autre endroit en fait. Il y a peut-être plusieurs champs comme ça, je sais pas. On a combien de morceaux de bois? 32. Ok, 32 ça me paraît bien. Ah c'est bon, c'est les maisons sont là. Je revérifie si on n'avait pas loupé des choses, mais ça m'étonnerait. Ok. Viande de l'eau cuite. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu ou pas? Ou alors on dort tout simplement. Je crois qu'on peut se permettre de dormir un peu. Histoire de se réchauffer et de ne pas être trop fatigué en fait. Je vais voir la nourriture. Viande de loup cuite, ouais c'est bon. Ok. On va dormir 2 heures. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ça marche pas, ça marche. Let's go. Tintalanana. En plus, on n'est pas très loin. On est à 48 kilos, ça va. J'ai limite envie de balancer un lapin. Ils sont combien les lapins? 2 kilos. Mais bon, de toute façon, on n'ira pas très vraiment plus vite, quoi. Si jamais... Ok, elle prend directement l'arc, ça va. Non. Tiens, on voit que la flèche, l'aiguille, elle va dans le au max. Ok, la lumière commence à gémir. On est bon, let's go.
Ouais, ça a l'air d'être l'endroit qu'on a vu. J'ai pris mon sac de couchage. Oui. Toujours la même question. Hein. Toujours, c'est toujours celle-là qui revient le plus possible. Est-ce que j'ai pris mon sac de couchage? Allez, on prie. On prie pour qu'on ait quelque chose de bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas un bâton. Je voudrais... honnêtement, le meilleur, le truc le plus rare qu'on pourrait avoir, ça serait tout simplement les bas rouges. Vous savez, pas les bleus qu'on a, mais les rouges. Ça serait vraiment le mieux, en fait, pour nous. Je vais être honnête. Parce qu'après, tout ce qui est bon, allumette et tout ça, oui, je suis d'accord, c'est bien. C'est là? Ouais, c'est là. Mais ouais, le mieux serait quand même ça, parce que c'est méga, méga rare. On va faire un feu après et se réchauffer. J'aime bien ce que le son ne matche pas la lumière en fait qui clignote. Ça a pas de sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Les détails. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok. Maintenant on fait quoi? Découvrir. Waouh, tu fais ça avec tes mains, t'es folle. Let's go! Ouh, ouf, ouh, je suis content. Oh, je suis content. Oh mon dieu. Fouiller le bunker bêta. Ouh, ça c'est bien ça. Enquêter sur le final de la Vallée Charmante, fouiller le bunker bêta. Vallée Charmante, bunker bêta, nouveau lieu découvert. Ouh, ça pète. Vas-y, let's go, vas-y, vas-y. Me déçois pas, je t'en supplie, parce que là je suis super hypé. Me déçois pas. On va allumer, ouais, quand même. Me déçois pas, ok. Fusée nautique, c'est pas la meilleure des choses. Ok, rien. Ça c'est la sortie. Ça c'est la sortie, ça marche. Me déçois pas, me déçois pas. Je suis super hypé, attention. Wow. Doucement. Me déçois pas, me déçois pas. Alors. Ouh, c'est fun. C'est fun, c'est fun. On a besoin de lampe ou pas? Oh, ça va, on peut... Ah, le mieux, ce serait quand même de garder la lampe, mais... Alors... Ah, c'est de l'eau non potable. Merde, ok. Bon, on va pas la prendre. Oh, stop, c'est tout nouveau. On va là, d'abord. Eau de réserve, eau source potable, ça marche. Alors... de recyclage, c'est bien. Du maïs en boîte. What? On va le garder, ça. Du savoureux maïs en conserve, un vrai régal en hiver. 295, c'est bizarre comme chiffre. 295, c'est froid, donc on peut le chauffer. Intéressant. Journal de la responsable de la sécurité 23. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est quoi ce bruit? We ran power to Rudiger's machine for the first time yesterday. It was nothing like what they predicted, even at half energy. I still have no idea what the endgame for all of this will be. The whole project. And I'm seeing now that few of the men building it do either. It's all over their faces. All this time underground isn't helping their morale, but I'm confident our fragile truce will hold until we're finished. We worked hard to make it this far after what happened to Team 3. But afterwards, impossible to say. Ouh, ça tue. Par contre, faites attention à la lumière qui clignote, hein, si vous êtes fragile par rapport à ça. Épilepsie et tout ça. Faites attention. Ça tue. Let's go. Alors, c'est dans quoi ce genre de choses? Photo instantané, souvenir, okay. Memory tampon, note. Ouais, c'est là.
Journal de la responsable de la sécurité. Bon, on sait pas trop de quoi elle parle. Ouais, on sait pas du tout de quoi elle parle pour le moment, donc ça nous aide pas vraiment. Allumer la machine de Rudiger. Ils ont allumé une machine, apparemment. C'était bizarre. Intéressant. On va reprendre la lampe parce que j'ai peur de louper des objets. Ça tue, ça a même de la voix et tout. Genre Interland, ils ont travaillé, c'est énorme. Et ils voulaient enlever ça de l'intrus, sérieux. Alors là, on a juste un livre. Donne-moi des objets uniques, donne-moi des trucs, s'il te plaît. Encore un livre, c'est juste un livre. Tissu. Ça. Donne-moi quelque chose. Ne gâche pas mon expérience, s'il te plaît. La fouiller. Rideau. On peut dormir, ouais. Lit, oreiller. Ok, oreiller, ok. Allez, donne-moi quelque chose. Il y a beaucoup de rien. Bon, après, on a avancé dans l'histoire. J'attends pas une Gatling, hein, mais bon, quand même. Ce serait vraiment cool qu'on ait quelque chose de spécial. Ah, ça, c'est bien, du câble et tout ça. Oh, il y a une batterie! Session 12, Project Medical Officer interviewing patient 7. Back to the third instance. Find the bridge between them. Trying to. Okay. It starts the same as every other time. A dark room. Square. I feel the wall behind me, and I can barely make out the walls to the right and left. Smooth, like steel or glass. I can't see the wall opposite me. It's too dim. I walk forward and that's when I notice it. Every time. The pit. Just a hole in the floor, really. It's funny, the floor seems to slope a little bit as it reaches the edge. But the floor is made of bricks. Bricks that start to bend. Best I can tell. And the end? The last image you can remember? That's when it shows up. What shows up? Can you describe it? From across the pit, where the other wall should be, something darker than everything around it, sort of floating. It moves to the edge of the hole. No face, just a moving shape, a shadow. Is it me? My face? God damn it. Man, that's when I wake up. Every damn time. Okay. J'aurais dû éteindre la lampe. Y'a rien là-haut. Bon, bah on a une bonne nouvelle. On a trouvé une nouvelle batterie. Bon, ça c'est cool. Oh là là, qu'est-ce qu'on est lourd. Alors, attends. This pack is getting too heavy to carry. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, on a une nouvelle batterie. On sait pas trop ce que c'est tout ça. Regarde s'il y a rien dans les caisses. Attends. 30 minutes et sans déconner. On va le faire au couteau. Genre pour être sûr qu'il n'y ait rien en fait. C'est un peu la déception.
C'est un tout petit peu la déception quand même. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses qui me manquent à fouiller. Là on a des placards, on les a fait. On a fait ça, on peut dormir. Walk with this much gear. Ok. Bon, bah c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je suis content qu'on ait une batterie par contre. Alors j'avoue que j'aurais bien voulu quelque chose d'unique parce que je sais qu'il y a des vêtements uniques. Je sais pas si moi ils sont disponibles en intrus. On m'a dit que oui, qu'une personne avait trouvé des. Ça, on va pas l'utiliser, ça, on va le garder. Avait trouvé des vêtements uniques. En intrus. J'ai pas vu, moi, perso. Donc, je peux pas vraiment confirmer. Mais j'avoue que, bon. La batterie, ça va. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que du coup maintenant c'est coché comme quoi? Ouais, 42%. Côté sur le signal. Ouais, on a tout, ok. Pas en côté sur le signal de la crique lugubre et réparer la transmetteur du village de Montagnard. Alors la crique lugubre, j'imagine que c'est. Milton. Alors attends, c'est où qu'on voit déjà? Chaque fois j'oublie. Par là. Non. Par là. Par la carte. Un peu spécial. Vallée Charmante. Transmetteur couvre la région. Vallée Charmante et Lac Mystère. Donc Lac Mystère, on a sûrement une cache à récupérer. Muskegmorn, c'est Muskegmorn. Voie ferrée détruite et la crique lugubre. Ok, la crique lugubre aussi. La crique lugubre, on est bon alors. Mais la crique lugubre, attends, c'est où la crique lugubre? Je dois pas voir la. Bah si, c'est là. Ah, Muskegmorn, c'est putain, ça s'étend vachement loin en fait. Ça fait tout ça en fait, Muskegmorn. D'accord. Et là, la vallée charmante, ça fait ça. Okay. Vous voyez la souris? Oui, on voit la souris. Donc comme ça, et après comme ça. Attends, on dirait une review sur Excalibur. Comme ça, et comme ça. Enfin bref. Ok. Donc après, on aura Milton. Ah, ils nous le disent pas. Trois autres. On aura trois autres à faire. Mais on sait pas où. Faudrait qu'on aille à la crique lugubre. Ça, on ira plus tard à la crique lugubre. Ça, à la crique lugubre, je pense qu'on ira quand le nouveau DLC sera sorti, là, la nouvelle partie 3 et tout ça. Pas plus intéressant pour nous. Réparer. Ouais, ok. Ok, ok. Bon, c'est très bien. C'est très bien. On va faire ça. On va le faire à la main. Bon, je suis content. Bon, un peu déçu du fait que, bon, on n'a pas d'objet unique, on n'a rien de spécial. J'avoue que j'aurais voulu quand même récupérer quelque chose, mais comme d'habitude, on n'a rien. On commence à être habitué, c'est pas grave. Mais j'avoue, j'aurais bien voulu avoir quelque chose. Genre, je sais qu'il y a une sorte de masque et tout. Putain, ça aurait été cool d'avoir un masque. Je sais pas quoi, là. Genre un truc qui se met sur la tête, j'en sais rien. Aïe 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 aïe, c'est pas grave. Ah, mais ce qui est le plus important, c'est la batterie. Parce que j'avais peur que Hamilton, il n'y ait pas de batterie. Et là, on aura une batterie. Par contre, monter une batterie à Hamilton, ça, c'est une autre histoire. On a récupéré aussi un câble, c'est ça? Donc, ça, c'est bien. Ouais, je suis un peu deg. Dites-moi si c'est là que vous avez trouvé des objets spéciaux et tout ça. Alors, est-ce que j'ai vraiment pas de chance du tout? Ou c'est normal? Entre la cache qui avait genre un bâton et là maintenant le bunker qui a rien. Genre, est-ce que c'est normal mon niveau de chance?
On va dormir. Vous savez ce que je vais faire? Je vais peut-être s'arrêter là. On va peut-être s'arrêter là, parce que je suis en train de me dire que... Bon, on a fait ça. Ah, attendez. Parce que je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une cache maintenant? Pas un bunker, mais une cache. Ça c'est les bunkers et ça c'est les caches. Je pense qu'il faudrait se balader pour aller trouver les caches. Ouais, je pense qu'il faudrait le faire. Alors on va pas le faire. Parce que bah, c'est bientôt fini la nuit de toute façon. Il fait froid, il faut dormir. La viande on va la laisser. Très bien. On va aller dormir. Donc ouais, je pense que je vais arrêter là. Personnellement. Et je risque de me préparer en fait pour aller à Milton. Donc je pense pas qu'on va faire un épisode où je rentre. Pourquoi ? Parce qu'on a une batterie à porter. Et honnêtement, ça risque d'être très très long et très très chiant en fait. On a déjà porté une batterie, on a fait un aller-retour avec une batterie. J'ai pas vraiment envie de refaire ça en épisode, parce que ça va pas vraiment être très très intéressant à regarder. On va dormir d'abord, et après on va encore discuter. Faire ça. 10 heures, c'est trop bien. Ok. Waouh. Ah, c'est sombre de ces chez sombre. Bon, regardez, voilà, j'ai fait exprès. Genre, j'ai dormi toute la journée, en fait. Quasiment toute la journée. Donc, ce que je voudrais voir, en fait, c'est... Est-ce que je peux trouver une cache? Mais le risque, en fait, c'est qu'on risque de se balader, en fait, dans la Vallée Charmante pour pas grand-chose. Donc je pense que ça, je le prendrai en petit morceau de vidéo et je le rajouterai au cas où sur le prochain épisode. Après, le truc aussi, c'est qu'on ne peut pas partir sans récupérer la batterie. Ça serait complètement con de partir sans récupérer la batterie. Donc il faut absolument que je rentre avec la batterie. Et le problème, c'est qu'on est méga lourd déjà. Donc ça risque d'être beaucoup moins fun aussi à regarder. Donc je sais pas trop comment rentrer là en fait. Je vais être honnête, je sais pas comment faire. Je jette tout ça, faut jeter plein de trucs. Ouais, enfin on peut y arriver, il n'y a pas trop. Ça va. Mais voilà, je pense que ça aussi je vais le faire de mon côté. Le fait de rentrer. Rentrer au lac mystère, hein, évidemment, lac mystère. Mais là, je pense attendre la nuit pour voir si je peux pas trouver une cache à la Vallée Charmante. Et puis après, j'irai récupérer la batterie, on rentrera au lac Mystère. Au lac Mystère aussi, je vais un peu tourner et voir si je peux pas récupérer donc, une cache, encore une fois, parce que ça couvre le lac Mystère. Et je pense que voilà, je vais faire ça de mon côté. Et après... Je pense qu'on va sûrement attendre la partie 3 du DLC. Comme ça, quand on retournera à Milton. Parce que Milton, c'est en montée et tout, c'est un peu chiant. Je pense qu'on pourra récupérer des nouvelles choses. Genre sûrement des recettes et tout ça à Milton et tout. Ce sera intéressant, je pense. Donc ouais. Je pense qu'on va faire ça. C'était pas prévu en fait de retrouver une batterie. J'avoue que c'était vraiment pas prévu.
Mais bon, tant mieux, hein. Mais il faut la trimballer. Et par contre, ouais, je vais avoir un problème pour retourner à Milton. Est-ce que on la joue? Parce que après, apparemment, genre, une personne qui est sur mon Discord, tonton, m'a dit c'est possible qu'il n'y ait pas de batterie à Milton, en fait. Donc, c'est possible. Donc, est-ce qu'on va directement à Milton avec la batterie dans notre inventaire? Et il faut penser qu'on a deux cordes à prendre si on va à Milton, si je dis pas de conneries. Du lac Mystère, on va à Milton, il y a deux cordes à prendre. Donc, il va falloir qu'on soit en dessous des 45 kilos. Avec la batterie dans notre inventaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, on fait ça. S'il y a une batterie là-bas, bon, bah, on a amené la note pour rien. C'est pas grave. Ou alors, on y va une fois sans batterie pour voir ce qu'il y a. Et puis après, on fait encore un aller-retour. Mais bon, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant de faire un aller-retour pour rien, en fait. Donc, ouais. Après, il y a sûrement tout à Milton, hein, parce que c'est très très grand, il y avait beaucoup d'objets. Donc, en théorie, je suis sûr que je peux être en dessous des 45 kilos. Genre, je poserai tout mon équipement. Genre, la hachette, je la pose. La scie, je la pose. Qu'est-ce qui pèse lourd? Il y a le sac de couchage, il pèse aussi très lourd, mais bon... c'est un peu difficile de s'en séparer. Les flèches, on n'en prendra que 5, par exemple. Ça fera un peu moins de poids. On enlèvera les torches. Je prendrai sûrement pas la lampe, je pense. La lampe tempête. Voilà. Ça, on va le laisser aussi de côté. On va le mettre au lac mystère. On va le laisser de côté. Donc, ouais. Ouais, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Mais ouais. Ben, je suis très content qu'on ait trouvé ce... ce bunker et tout, que ça se soit passé comme ça. C'était vraiment cool. C'est vraiment sympa. L'histoire qui est lui aussi, c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool. Vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Je suis content qu'ils aient pensé, enfin, après leur avoir gueulé dessus, qu'ils l'aient mis en fait pour le mode intrus. Parce que honnêtement, passer à côté de ça, c'est vraiment vache, quoi. C'est vraiment très très vache. Mais bon, après, voilà, on n'a pas eu d'objets spéciaux. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Ouais. On n'a rien eu d'unique. Donc, ouais. Ça sert à rien, ça aussi. Il n'y a rien dedans, on est d'accord. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Donc, voilà, c'était une aventure plutôt cool. Je suis content. À la prochaine, portez-vous bien et ouais, bah à la prochaine pour le nouvel épisode de la survie du week-end. Là, ça va, là, je suis content. C'est vraiment fun, vraiment fun. Allez, à la prochaine, ciao, ciao.